Bonjour Angélique. Allô. Bienvenue à l'émission Portrait sportif. Aujourd'hui, on va aller parler davantage de basket, voir l'univers de ce ballon rond et du panier. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance de te voir en action sur un court, pourrais-tu prendre le temps de te présenter, s'il te plaît? Bien, moi, je m'appelle Angélique. Je vais au Collège Saint-Maurice, puis je joue au basket dans deux équipes différentes, donc avec l'école, puis avec les Celtics de Saint-Barnabé. Puis, cette passion-là du basket, ton plus loin souvenir qui te vient en tête? C'est quoi l'image qui pourrait peut-être représenter un souvenir ou tes premiers débuts? Bien, c'est vraiment à mon primaire, l'école Bois-Joli-Sacré-Cœur, qu'on jouait au mini-basketball. Là, donc, c'était pas grand-chose, mais j'aimais vraiment ça. Puis, bien, j'ai un coach là-bas, qui est encore mon coach maintenant. C'est lui qui m'a pas mal montré comment jouer au basket vraiment. Puis, bien, c'est là que ma passion elle a commencé. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as accroché à ce sport-là? Parce qu'on sait que de nos jours, il y a une panoplie de sports qui se présentent à nous. Qu'est-ce qui t'a fait aimer pratiquer ce sport-là? Bien, je dirais que c'est plus... c'est très mental quand même, le basket. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de choses différentes qu'on apprend. Fait que je trouvais ça le fun de faire quelque chose de différent. Parce que depuis que je suis toute petite, que je jouais au soccer, puis là, bien, j'ai appris un nouveau sport, puis bien, j'ai vraiment aimé ça depuis le début. Fait que c'est... Quelle position t'évolues quand tu joues sur le jeu? Ça dépend. Mais en général, pas mal meneuse de jeu qu'il y avait. Fait que c'est moi qui monte la balle. Il faut une bonne vision pour être capable d'être à ce jeu-là. Donc, créativité mise en place. Le basket, ça amène à avoir aussi une foule qui nous regarde pendant un match. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu as le ballon, tu commences une partie? Est-ce que tu es fébrile? À quoi tes pensées vont se retourner? As-tu une façon de gérer un peu ton stress? Mais je suis pas une personne très stressée en général. Fait que c'est pas tant difficile pour moi de contrôler mon stress. Des fois, quand c'est des parties plus importantes, t'sais, je fais juste vraiment me concentrer. Puis mais ça le fait naturellement pas mal. T'sais, quand j'entre sur le terrain, tout disparaît, mettons. Fait que genre, même si mon père il me parle dans les estrades, je l'entends pas. Fait que, t'sais, des fois, mon coach il me parle puis je l'entends même pas parce que je suis tellement concentrée que c'est ça. Fait que ça me permet de gérer mieux mon stress comme ça. Selon toi, pour être une bonne meneuse de jeu, ce serait quoi les qualités qu'il faut mettre en avant-plan ou à pratiquer pour devenir une des meilleures joueuses? Bien, je dirais, en général, il faut quand même avoir une bonne vision de jeu, comme tu disais tantôt, parce que bien, c'est toi qui vois qu'est-ce qui se passe puis qui décide quelle action on fait. Puis sinon, bien, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique, parce qu'au début, j'étais pas très bonne, mettons, pour mes dribbles et tout. Fait que c'était pas ça ma position au départ. Sauf qu'après ça, je me suis tellement pratiquée à dribbler que je suis devenue meilleure. Puis, bien, je suis quand même pas la meilleure, mais je m'améliore. Puis, ça fait en sorte qu'avec mes skills, genre, c'est plus facile de jouer là. Quand on joue au basket, moi, une des notions qui, à chaque fois, me donnait la chair de poule, c'est les lancers francs ou les choses comme ça. Quand tu arrives à les faire, là, qu'est-ce qui se passe quand tu tiens le ballon? Tu shakes-tu un petit peu? La foule qui encourage a dit que tu réussis à quand même canaliser ça? Oui, bien, je dirais vraiment la foule autour, ça me dérange pas tant. C'est surtout moi, dans ma tête, mettons les lancers francs, c'est plus difficile parce que je me concentre trop. Rendu là, je suis comme, allez, t'es capable, mais il faudrait que, tu sais. Quand je me dis, genre, oh, ça va, il n'y a rien d'important, alors là, ça rentre, puis je les ai facilement. Mais si je me concentre trop, bien, c'est là que le stress va s'emparer, puis je vais avoir plus de misère. Quand on parle de sport, on parle souvent de ton côté un peu les facettes de compétition aussi. Y a-tu un événement, un match ou un souvenir que tu retires, que tu fais, hey, ça, je suis vraiment contente d'avoir accompli ça? Bien, j'ai été aux Jeux du Québec l'été dernier. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose de gros pour moi parce que c'était comme la première année que je jouais vraiment au basket. Puis j'ai réussi à me rendre là. On a terminé sixième. On n'a pas terminé dans les premiers, sauf que c'était vraiment une belle expérience. Puis bien, j'ai vraiment tout donné. Fait que je trouvais ça le fun. Pour les gens qui sont un peu moins familiers avec le basket, comment on s'entraîne pour jouer au basket? Ça ressemble un peu à quoi l'horaire que tu peux avoir dans ta semaine? Bien, souvent, c'est à peu près trois fois par semaine. Parce que là, mettons, j'ai deux équipes de basket. Fait que j'ai deux pratiques avec l'école, puis une pratique avec l'autre équipe. Fait que ça fait déjà trois pratiques, puis j'ai des tournois, j'ai des matchs. Fait que c'est quand même très prenant. Fait que je remercie mes parents de toujours revenir avec moi, mais c'est ça. Ça prend beaucoup, beaucoup de pratique, parce que c'est surtout la technique qu'il faut améliorer, tout, mais c'est ça. Puis, t'en as mentionné un peu les parents, donc... Effectivement que dans mon cas, mes parents aussi ont joué le rôle de taxi beaucoup. Puis de voir un peu
cet aspect-là, de, je les appelle les partisans numéro un, mais de voir un peu le, ce soutien-là qu'ils ont derrière un peu ces aventures-là. Qu'est-ce que ça fait, non loin, peut-être dans... Tu sais, on les regarde pas nécessairement direct pendant la partie, mais de voir qu'ils sont non loin dans les estrades, qu'est-ce que ça t'apporte de voir peut-être ce soutien-là? Bien, je me sens toujours genre plus forte quand mes parents sont là. Tu sais, je ressens leur présence avec moi quand même. Puis dès que comme, je commence à douter de moi, c'est eux qui m'aident à comme, garder l'esprit sain puis me dire à quel point je suis bonne puis tout. Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que je suis bonne tant que ça. C'est mes parents, ils me soutiennent dans tout ça. Fait que c'est une grande partie de mon sport. T'sais, je suis chanceuse de les avoir avec moi. C'est le fun d'avoir cette puissance silencieuse qu'on appelle, non loin dans les estrades. Je trouve que c'est le fun. Puis de voir un peu cette chimie-là quand les gens partagent un peu. Tu sais, quand on voit que les parents s'impliquent autant, ils aiment un petit peu le sport aussi parce que sinon, je pense qu'ils trouveraient ça long de voir un peu cette passion-là, cette magie-là, puis de donner cette chance-là à un enfant de profiter de cet élan-là. Je trouve que c'est le fun. Puis tu as la chance d'après ça d'être encore plus haute, meilleure dans ta performance parce que le milieu familial, il t'aide à le faire. Fait que c'est un petit avantage. Tantôt, tu l'as dit, c'est prenant. Donc, concilier l'étude, concilier les sports. Tu pratiques aussi d'autres disciplines sportives. Qu'est-ce que ça l'amène, peut-être, cette facette-là, pour que tu sois peut-être une meilleure étudiante, une meilleure sportive, une future citoyenne, de pouvoir être exposée à autant de sports que ça, selon toi? Mais moi, je pense que ça m'aide en général parce que ça prend beaucoup, beaucoup de mon temps, le sport, parce que j'en fais beaucoup, mais j'ai pas beaucoup de difficultés à l'école de base. Donc, c'est pas tant difficile pour moi de concilier les deux. Sauf que, tu sais, des fois, j'ai pas l'énergie de faire mes devoirs, des affaires comme ça. Puis, ben après avoir fait du sport, ça l'aide mon esprit. Ça fait toujours en sorte que j'ai plus le goût de faire des devoirs, j'ai plus. Je suis plus prête à ça. Fait que ça m'aide beaucoup de faire du sport, je pense. Comme un carburant de ce que je comprends pour venir t'aider à peut-être faire les tâches qui sont peut-être un peu moins intéressantes à court terme. Puis effectivement, c'est sûr et certain que je rentre un peu dans ce lot-là. quand on parle de sport au féminin, on voit beaucoup que quand on arrive à milieu secondaire, fin secondaire, début collégial, début universitaire, on perd des athlètes féminines parce que la passion ou autres obligations amènent un peu. Qu'est-ce qui fait, selon toi, un peu le message que tu aimerais peut-être porter aux gens de ton secondaire, des amis, de peut-être avoir cette flamme-là ou cette motivation-là de garder un peu le sport dans son quotidien? Mais je pense que la plupart des gens qui peut-être abandonnent le sport, c'est à cause peut-être qu'ils perdent confiance en eux, qu'ils perdent comme le goût de continuer à cause de ça. Puis bien, moi, je pense que l'important, c'est toujours de donner de son mieux. Puis se rappeler qu'il faut avoir du plaisir là-dedans au début. Fait que même si ça va moins bien des parties, c'est quand même le plaisir qui est là au début. Puis ben, le sport, c'est quand même vraiment une chance qu'on a de le pratiquer. Fait que si tu as cette chance-là, continue de travailler parce que ben, ça va t'aider à te mener loin. Puis c'est ça. Si tu avais la chance de te donner un propre conseil à tes tout débuts, qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil à la mini-toi? Bien, je me dirais, genre, sois pas trop dur avec toi-même. Parce que quand j'ai commencé, j'étais vraiment pas très bonne. J'étais dans les moins bonnes de mon équipe. Parce que tout le monde jouait depuis longtemps. Puis, ben moi, j'ai juste joué au mini-basket au primaire. Puis, ben j'avais vraiment, vraiment de la misère avec ma tête. Parce que je me disais que j'étais pas assez bonne et tout. Et, tu sais, il faut juste se laisser du temps parce que maintenant je suis rendue plus loin puis je me considère quand même bonne au basket. Fait que c'est ça que je me dis. Qu'est-ce que tu aimerais que ta carrière athlétique t'apporte? As-tu des objectifs? As-tu des rêves ou des éléments que tu aimerais peut-être cocher sur ton parcours ou ton cursus athlétique? Bien, c'est sûr que j'aimerais vraiment ça, jouer collégial puis peut-être universitaire aussi. Mais je vais aller où ça me mène parce qu'au début, moi, c'est encore pour le plaisir, le basket. Fait que j'aimerais vraiment, vraiment ça me rendre loin, continuer jusqu'à quand je suis plus vieille. Mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je vais quand même continuer à jouer pour le plaisir, puis c'est ça. Fait que j'aimerais vraiment ça. Il y a une panoplie de sports. Tu pratiques aussi le soccer. Qu'est-ce que tu penses que l'un t'apporte à l'autre? Parce que c'est quand même un sport où est-ce que tu travailles les deux en équipe, mais il y en a un qui a le ballon dans les mains, l'autre est dans les pieds. Qu'est-ce que tu trouves que cette combinaison-là des deux t'amène pour peut-être développer toute la personne que tu es? Bien, depuis que je suis toute petite, que je joue au soccer. Puis ma position au soccer, c'est au milieu central. Donc ça aussi, c'est beaucoup de vision de jeu.
parce qu'il faut changer de côté, voir les options de passe et tout. Fait que je pense que ça, ça m'a vraiment aidé au basket, à la position que je suis maintenant, parce que je suis rendue habituée de toujours voir le jeu, puis c'est ça. Puis aussi, ma forme physique, parce que j'ai fait du soccer vraiment longtemps, puis j'ai vraiment un bon cardio maintenant. Et j'ai continué à courir au soccer, à courir. C'est un plus grand terrain qu'au basket. Et là, ça fait en sorte qu'au basket, j'ai pas tant besoin de changer souvent parce que j'avais déjà cette forme physique-là. Effectivement, que courir des allers-retours dans un gymnase, ça peut être motivant quand des fois les gens disent à Julien, courir, je comprends pas pourquoi tu fais ça parce que tu n'as pas d'objectif. Mais courir au basket, tu te rends compte que ça prend quand même un assez bon cardio pour faire ses arrêts puis de repartir de chaque côté. Là, effectivement, ça pompe pas mal le cœur. De voir un peu tous ces éléments-là qui ont façonné un peu la personne que tu es présentement. Qu'est-ce que tu aimerais peut-être dire aux jeunes enfants ou personnes qu'on croise, qui t'écoutent aujourd'hui, qui hésitent encore si le sport c'est fait pour eux ou qu'il y ait un élément qui pourrait peut-être les accrocher à découvrir peut-être un élément à travers ça? Mais je dirais, tu peux rien perdre au sport. Faut toujours essayer. Puis si tu essaies un sport puis c'est pas ça que tu préfères, bien, il y a toujours un sport que tu vas trouver que tu vas vraiment adorer, comme moi avec le basket, mettons. Puis bien, je pense que comme faut juste travailler, puis travailler. Puis plus tu travailles, plus tu t'améliores, plus tu vas aimer ça. Fait que je pense que c'est ça que je dirais. Faut pas abandonner, faut toujours essayer. Tu nous envoies une flamme magique de voir que la constance, la persévérance, c'est ce qui fait le succès derrière ton cheminement, mais surtout derrière le cheminement d'autres personnes. Merci beaucoup d'être venu prendre ton temps aujourd'hui pour parler avec nous de ta courte carrière que j'espère va pouvoir monter à tous les échelons que tu aimerais aller porter. Puis je te souhaite une bonne continuité, surtout une bonne saison, puis de t'amuser à travers le sport. Merci beaucoup.